branche sur la rentabilité, le bois d'œuvre. Toi, tu penses que ce genre de projet, ça va pour quel type d'agriculteur? Alors, je sais pas, enfin, Je est-ce pense que qu'il tout le monde peut faire de non, je l'agroforesterie? pense qu'il faut déjà être curieux de vouloir le faire, quoi, hein. Éventuellement sur une petite surface, mais d'essayer. Et puis je pense que ceux qui s'y intéressent, comment dire, je pense qu'ils y sont presque. J'ai constaté ça, les gens qui viennent voir, même qu'ils ont des hésitations, et on sent toujours qu'ils vont faire déjà quelque chose, que ce soit des haies ou. Voilà. C'est peut-être pas donné à tout le monde pour le début, quoi, hein. Mais ouais, c'est un certain public quand même. J'ai l'impression il y a des. Bah, c'est pas tout le monde qui veut le faire, quoi. Maintenant, je pense que tout éleveur comprend qu'il y a un intérêt à avoir des arbres, je pense. C'est pour un céréalier, c'est pas pareil, c'est pas la même conception, la même vision des choses. Mais moi, j'essaye pas de convaincre. Hein. Non, Quand il y a des gens qui viennent, je dis, mais bon, moi je le fais comme ça. C'est vrai que pour certains aspects, c'est un peu gênant. Nous, on passe très peu en tracteur dans les parcelles, donc ça spécial, n'impose pas. Mais j'ai une année, j'ai fait venir un entrepreneur pour épandre du compost. Et lui, il trouvait que c'était gênant, quoi, pour tourner. Il me disait, là et là, il faudrait en arracher, que je puisse au moins tourner. Ça se comprend, quoi, quand on a des machines, il faut de la place. si tu quand tu discutes avec des jeunes agriculteurs vraiment intéressés par le sujet, enfin, est-ce que tu as deux, trois enseignements, je sais pas, il y a des recommandations de ton expérience que tu leur adresses J'ai ou... eu souvent ici, c'est parce que le lycée de Pamiers est pas loin, en BPEREA. L'animateur là, c'est un gars qui est très intéressé dans ça, donc il amène ses élèves. Et bon, ils sont souvent d'un public qui n'est pas d'origine agricole. Hein. Et très souvent, qui ont des petits projets en tête, plutôt maraîchage, petits fruits. Et là, ils paraissent très branchés, hein, c'est sûr, c'est ça. Qu'est-ce que je peux conseiller? Bon, si c'est un petit fruit, les petits fruits ne vont pas manger l'écorce, donc toute cette problématique de protection, ça ne joue pas. Mais sinon, pour un éleveur, protéger, 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 parce que moi ici, je ne protégeais pas au début, et ça, tout le monde le sait, quand un jour, tiens, ici, la pelouse, c'est ma femme qui l'entretient. Si les 250 brebis d'il y a 10 ans, un jour, s'échappaient, eh ben, tout est nettoyé sur 1,20 m, hein, on sait comment c'est. Et là, les arbres, c'est sûr, en été, elles passent dessus, c'est fini, quoi. Donc la protection, il faut vraiment bien réfléchir. Et puis, bon, moi, j'ai visité ces exploitations, donc surtout au début, j'allais voir mes arbres. Hein. Donc je réparais les protections. Je m'imagine pas qu'on puisse faire ça sur un terrain où on voit jamais, quoi. Je pense qu'il faut avoir l'œil dessus. C'est un Avant plaisir aussi d'ailleurs. c'est ça que je voulais te demander. Avant de planter, tu connaissais déjà les arbres, enfin. Oui, j'ai été, mais par ma carrière professionnelle en fait, j'ai été enseignant 2 ans en Algérie où j'avais très peu à faire avec les arbres parce que c'était sur la ferme les arbres qui étaient, c'était des arbres fruitiers. Sauf pour la protection des extérieurs, j'en ai parlé là, que les gens plantaient des arbres épineux. Protéger, donc déjà ça m'intéressait. Mais après, j'ai été très marqué. Pendant 5 ans, j'étais en Tunisie sur un projet de développement rural. Et la problématique là-bas, c'était que c'était dans le nord-ouest de la Tunisie, que les gens qui habitent là-bas, dans cette zone, je parle de deux cantons que je connais bien, la Touireva et Mbouzba, ils n'ont pas de titre de propriété. Ils sont sur un terrain qui est forestier. Et ils ont hérité de la classification de la colonisation. Donc la colonisation les a classé ces terrains en forêt domaniale. Et donc l'administration tunisienne, je parle d'il y a 35 ans, a repris cette dénomination, ce qui fait que les forestiers tunisiens me parlaient de ces gens en disant le mot intrus. Ces gens ne sont pas des intrus, ils y sont depuis toujours. Ils vivent plus ou moins sur la forêt avec un peu d'élevage et tout ça. Et donc il y avait un programme de la FAO qui s'appelait Village Forestier. L'idée c'était d'une part amélioration de l'habitat, il y avait un peu de tout dedans. Mais il y avait un truc très spécifique qui disait que. Et donc, le service de forêt était d'accord. Celui qui a un terrain, qui l'occupe plus ou moins, s'il y plante des arbres, parce qu'ils ont des gros problèmes d'érosion, il a comme un droit de propriété, pas encore un peu. Donc, il peut améliorer sa maison. Et dans le terme melk, je crois que c'est lié avec le mot sémitique melk, roi, propriétaire.
Et donc les gens étaient très, très motivés par ça, bon, même si j'avais beaucoup de mal à faire planter autre chose que des oliviers. Mais donc, et c'est ce lien entre je plante, du coup ça devient à moi. Bon, ça ne vaut pas ici, mais ce très fort lien, ça m'a beaucoup marqué. Et donc ici, bon, j'ai un titre de propriété en règle, quoi, mais le fait aussi que les ormeaux avaient disparu, j'avais comme une grande Responsabilité. de faire autre chose. Oui, il faudrait replanter autre chose, quoi. Il y a des voisins qui ont essayé, mais bon, il y a un voisin là, il a mis plein de. Ce que les voisins plantaient, c'est comment s'appelle ça? Des tuyas, Des des. tuyas et tout ça, quoi. Ça pousse vite, ça donne. Donc j'étais très. Pour moi, il y a un lien entre le. Pour moi, je le vois presque pareil. J'ai le droit d'y être, de profiter. Pour moi, c'est le meilleur endroit où j'ai jamais été. Hein. Je suis pas du tout d'ici, mais je suis beaucoup plus lié à cet endroit qu'à la place où je suis né. Mais le fait d'y planter des arbres, je Tu te sens ça. projettes. Ça, on s'y projette. C'est comme un droit d'y être. Et puis, ma fille a repris l'exploitation, c'est superbe. Je vois que son fils s'y intéresse beaucoup, même s'il faut lui sortir un peu les John Deere de la terre. Mais pour moi, il y a un lien. J'ai l'impression, moi je travaille pas mal avec des agriculteurs et la taille c'est souvent quelque chose qui pêche un peu. Et là, quand on est descendu sur la parcelle tout à l'heure, tout de suite t'y allais Ah oui, et j'ai t'as bien les aimé ça. gestes et tu aimes ça. Comment t'as appris ça? Enfin, parce que moi J'ai eu c'est. une formation parce que je connaissais un tout petit peu la taille des arbres fruitiers, et ça, il faut tout oublier. Donc, la formation disait, regardez de haut en bas toujours. En bas, tu peux toujours corriger, en haut, tu peux plus. Donc, éliminer la fourche, et je trouve que c'est assez gratifiant même. Bon, au début, ça ne donnait pas de branches à manger, hein, mais on a l'impression, tiens, on regarde l'arbre. Même s'il y a des grosses différences, l'érable, c'est assez facile. L'hybride, le noyer hybride, c'est un bijou, le noyer hybride, il pousse tout droit, quoi. Mais je peux te montrer après, le noyer européen, il est un peu dur, il est un peu idiot dans sa tête, hein, il veut faire arbre fruitier, donc. Du coup, tu as appris avec une formation et puis Oui, après du CRPF, c'était une formation, du d'accord. CRPF. Ok. Voilà. Ça marche. Mais la taille, je ne trouve pas contraignant. Non. Ce que je trouvais assez contraignant au début, le cahier des charges m'obligeait pendant 4 ou 5 ans de tenir un cercle propre avec des Ouais. glyphosates, quoi. Et ça, c'est du travail, je trouve. Je faisais proprement, hein. Je faisais en deux fois. Avec une ficelle, avec mon pulvérisateur, je faisais que le cercle. Et 3 jours après ou 4 jours après, on voit bien où est le cercle et puis on nettoie entre. Mais vu d'avion, c'était un peu roussâtre. On va voir les noyers? Oui.